Okay, maybe then let's start the webinar. Nous allons commencer le webinaire. Good morning, good afternoon. Bonjour, bon après-midi, messieurs, mesdames, j'espère que tout le monde m'entend bien. Okay, thank you very much. Welcome to the fourth session of Africa. Donc, bienvenue à la quatrième session dans notre série. Je m'appelle Jifo Dino. Et je suis spécialiste dans la gestion des déchets pour UN Habitat. Je serai la modératrice aujourd'hui. Jusqu'à présent, nous sommes centralisés sur la gestion des déchets sur le continent africain, la collecte des déchets, les déchets liés au COVID et des solutions dans le contexte des villes africaines, avec des échanges entre les villes et les différents acteurs. Aujourd'hui, nous allons parler des déchets et des changements climatiques, comment ils impactent les villes en Afrique et le sujet central de la production de méthane, et également avoir accès à des fonds pour le changement climatique. Nous avons des intervenants experts dans le domaine, des conseils sur la gestion des déchets et des fonds d'une énergie plus verte. Ce webinaire est sponsorisé par le ministre de l'Environnement au Japon, WACT, ainsi que l'Association de maires d'Afrique subsaharienne et les organisations du Nationali des Nations Unies pour la coopération pays sud-sud et le partage de connaissances. Pour commencer, je vais revenir sur quelques règles de base. Il y a une traduction simultanée en français disponible dans le canal approprié. Est-ce que vous pouvez éteindre vos micros lorsque vous ne parlez pas et éteindre, allumer votre caméra vidéo lorsque vous prenez la parole. Notre point important est le bouton réaction. Utilisez le bouton si nécessaire et vous pouvez librement mettre des questions ou des commentaires dans l'espace de discussion. Il y aura une session de questions-réponses dédiée après les présentations. Donc, ensuite, nous allons nous intéresser aux présentations. Nous n'avons pas beaucoup de temps, donc je vais présenter notre première intervenante, Sandra Mazo. Elle est coordinatrice dans le secteur déchets, la coalition pour le climat et l'air. Depuis 2016, elle a plus de 40 ans d'expérience dans le domaine des déchets et du changement climatique et de la problématique environnementale. Aujourd'hui, elle étudie les conséquences de la COP26 à Glasgow, surtout concernant les émissions de méthane et ce que cela implique concernant le secteur des déchets. Donc, Sandra, c'est à vous. Merci. Donc, je vais essayer de partager mon écran. Donc voilà, je pense que tout le monde voit bien. Oui, oui, moi je vous vois, je vois très bien. Vous avez partout. Bonjour tout le monde. Bonjour, bon après-midi. Je m'appelle Sandra Mazoni. Je suis ravie d'être là. Et aujourd'hui, je vais vous parler des conclusions de la COP concernant les changements climatiques et mon travail à la coalition pour
pour le climat et l'air propre. Je remercie Menhabitat pour son invitation à participer. Donc, notre coalition a été établie pour soutenir un partenariat dédié à adresser des problèmes de pollutants de climat à court terme. C'est un réseau de plus de 400 membres des gouvernements, institutions financières et la société civile. À court terme, nous voulons augmenter les capacités des institutions nationales, soutenir des politiques basées sur la science et catalyser l'action dans des domaines clés. Il faut donc dégager des axes prioritaires au niveau national et international. Nous travaillons sur le méthane et aussi le carbone noir et les fluorocarbones. Ce sont des pollutants primaires qui sont très puissants et qui endommagent les personnes ainsi que les écosystèmes. Ils agissent pendant quelques années, c'est pour ça que l'on les appelle des pollutants à court terme. Comme je l'ai dit, le méthane est un de nos points de focalisation central. Et comme vous savez, le méthane est dégagé à cause de l'activité humaine. L'agriculture, surtout la culture de riz, par exemple, mais aussi l'industrie des mines et aussi l'incinération est une source d'émissions de méthane dans la gestion des déchets. Nous pensons que cette production va augmenter à moins que nous prenions des actions immédiates à cet effet pour contrer l'émission de méthane. Comme je l'ai dit, notre coalition travaille dans ce sens. Et en mai 2021, le GMA a été publié par les Nations Unies avec des recommandations pour l'atteindre au cours des 20 prochaines années. Donc, il faut une réduction de 45% d'ici 2030 pour atteindre la cible et donc réduire l'augmentation de la température par 1,5 degré Celsius. Il y a donc des bénéfices pour endiguer les émissions de méthane qui sont d'importance primordiale. Comme vous le voyez, nous avons des cibles par secteur. Il y a des mesures techniques pour mesurer l'atteinte de ces cibles et ajuster les projections. L'agriculture est le domaine où nous avons le plus de capacités. Le secteur des énergies fossiles est une énorme contribution aussi à ce phénomène. Ces trois secteurs nous donnent des opportunités dans ce domaine. Comme vous voyez, pour les énergies fossiles, nous pouvons réduire les émissions de 60% dans les déchets de 30 à 35% et dans l'agriculture de 20 à 25%. Comme vous savez, lors de la COP26 en 2021, a intégré 112 pays et donc si ces pays prennent de l'action, les émissions peuvent être réduites de 30% d'ici 2030.
Donc, cela se construit sur ce qui a été établi par le GMA. Et donc, nous pouvons réduire l'augmentation de température de 0,2 degrés d'ici 2050. Cet accord signé implique les ministres de 46 pays et cela a débuté une nouvelle phase du CCAC qui se focalise sur une réduction significative des émissions de méthane. Et le travail que nous faisons. Donc, c'est 46 partenaires ont débuté une nouvelle phase du CCAC qui se recentre sur une réduction significative des émissions de méthane et qui suit les recommandations du GAP Report du PNUE et ce qui accélère les réductions de HFC et de carbone noir et soutiennent l'implémentation de cet accord global. Donc comment cela va-t-il s'implémenter en pratique? Nous allons travailler sur la planification nationale pour des solutions sur mesure par pays. Et cela est un processus de planification et de soutien pour qu'il y ait des bénéfices locaux en termes de santé et de sécurité, un établissement de priorités concernant les émissions. Nous avons une approche de collaboration avec les gouvernements et à travers plusieurs secteurs, car nous voulons un engagement initial très large dans le processus. Au deuxième phase, nous allons développer une fondation pour un inventaire de politiques et de mesures possibles et de mettre en œuvre les analyses. À une échelle gouvernementale, aussi explorer les capacités gouvernementales pour faire face à ces défis et déterminer les bénéfices de conscientisation à cet effet. Il est très important d'avoir un soutien politique et assurer un soutien interministériel de tous ceux qui sont impliqués et que tous participent à l'implémentation des mesures. Ensuite, phase 3, préparer un plan national avec le soutien financier nécessaire à ces politiques. Il faut aussi y inclure des activités de monitoring et de reporting. Globalement, pour les secteurs avec lesquels nous collaborons, nous offrons du soutien. Nous pouvons fournir des formations et de la construction de capacités, de l'assistance externe et des ressources, du soutien pour les politiques et des démonstrations de technologie, de la science et de la recherche. Et la conscientisation, nos partenaires travaillent en collaboration, donc pas seulement financière, mais aussi une assistance avec l'expertise appropriée. L'avantage du CCAC est que nous pouvons intervenir à un niveau politique, mais aussi fournir une assistance technique et scientifiques pour accroître la connaissance. Nous avons un réseau de partenaires qui travaillent ensemble, un réseau d'entraide, comme je disais. Nous avons diverses divisions au sein du CCAC, donc il y a une division déchets pour mitiger les émissions de méthane et donc prévenir les déchets organiques et détourner des décharges vers des décharges enfouies, des décharges ouvertes. Nous avons aussi des stratégies clés d'engagement. Et pour le secteur des déchets,
nous avons une stratégie d'engagement pour réduire les polluants carbone et surtout le méthane. Comme vous le savez, nous nous recentrons sur le méthane, car les déchets sont la troisième source d'émissions de méthane à une échelle mondiale. Et cela vient beaucoup de grandes décharges et d'incinérations. Et nous prenons compte qu'en ce moment, dans les pays en voie de développement, une grande partie des déchets solides municipaux sont de nature organique. Donc, c'est là-dessus qu'il faut travailler. L'enfouissement comprend 20% des émissions de méthane par ce biais. Donc, c'est une des ambitions du CCAC dans le secteur des déchets. Et de façon similaire, nous nous focalisons sur la collecte et l'utilisation du gaz qui vient des décharges. Le gaz qui provient des déchets organiques ne va pas parvenir dans des zones où il pourrait s'avérer dangereux. Nous développons aussi des utilisations économiques et d'équipements pour les déchets organiques pour faciliter ce processus tel que le compostage ou la digestion anaérobique. Une chose autre que je voulais mentionner qui est pertinente pour vous lors de ce webinaire, la stratégie d'engagement pour le secteur des déchets avec des activités clés comprenant les gouvernements nationaux. Donc, il faut mener des campagnes d'action sur les déchets et inclure les villes dans ces efforts. Les villes doivent travailler sur les mêmes bases que le gouvernement, créer des politiques de soutien et un environnement régulatoire, assister les stratégies de développement pour prioriser le financement et engager le secteur privé. Nous allons aussi travailler avec les villes et les gouvernements locaux concernant le planning et la capacité politique dans les zones clés. Donc ensuite, il faut créer des réseaux pour et offrir des soutiens à ces réseaux. Enfin, les réseaux, les outils, nous avons un site web dédié et je voulais aussi vous montrer que nous fournissons des assistants techniques. Par exemple, nous avons un outil pour évaluer les bénéfices des réductions de méthane. Pour les déchets, vous avez d'autres outils et types de recherche disponibles qui peuvent contribuer à réduire les émissions de méthane lors de la gestion des déchets solides. Pour finir, le CCAC sera un partenaire clé de soutien à l'UMP avec des projets sur la planification et l'action par secteur, un consultant national pour augmenter la capacité et coordonner la réponse, l'engagement d'acteurs clés dans des éléments centraux regroupés par secteur et des outils additionnels pour défendre notre activité. Nos objectifs, le CCAC consolide ce qui a été acquis lors de la COP26 pour réduire le coût humain et environnemental des émissions locales. Nous allons travailler avec tous les pays membres du CCAC. Donc voici la fin de ma présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Thank you very much, Sandra.
Merci Sandra pour la présentation. Merci beaucoup Sandra pour votre présentation. C'était très informatif. Mais aussi sur des points techniques. C'était très utile pour nous. Le prochain intervenant, la prochaine intervenante. Qui s'occupe de la gestion des déchets et qui s'occupe de la gestion du climat, notamment sur l'environnement. Rekha Sos, qui a beaucoup d'expérience sur le projet dans plusieurs villes. Nous allons parler aujourd'hui de l'accès au budget, aux finances par rapport à la gestion du climat. Merci beaucoup, Shiho. Je vais tenter de partager mon écran. Normalement, tout le monde devrait pouvoir voir mon écran. Je n'ai pas, malheureusement pas pu passer du temps à préparer ma présentation, mais ça fait à peu près 20 ans que je travaille dans le secteur du changement climatique et de la gestion des déchets. Je vais expliquer aussi d'où je viens et les opportunités que nous avons devant nous. Et des projets qui tournent autour de la gestion des déchets. Et ce que nous avons de préparé pour tout ce qui tourne autour du budget Green Planet Fund. Nous avons des collègues avec qui nous travaillons, de plusieurs organisations, de plusieurs fondations dans ce secteur. Vous avez probablement déjà une idée des chiffres qui apparaissent sur votre écran. Nous avons un secteur. Nous sommes dans un secteur où la contribution financière n'est pas forcément la plus importante. Mais nous devrions garder à l'esprit que tout ce que nous attribuons comme pourcentage de fonds à l'émission de gaz à effet de serre et à la gestion des déchets, se situe entre 10 et 15% en termes de GHG. Et quand nous avons le temps de regarder les options de recouvrement et les bénéfices que nous avons, bénéfices, et des études qui sont récentes et qui nous ont montré que 30 à 50% des les émissions que nous avons à effet de serre peuvent être mitigées. La plupart de ces émissions provenant des ressources que nous avons et des ressources que nous utilisons, de ce que nous consommons. Et bien évidemment, nous prenons aussi en considération l'énergie qui est générée, qui est utilisée pour la gestion de ces déchets. Nous avons particulièrement des effets sur la prévention et l'éco-design. Je voulais parler de l'économie biocirculaire. Qui est particulièrement important, sachant ce qui se produit à travers la gestion de ces produits bio. En remplaçant tout ce qui sont les fertilisateurs organiques ou chimiques par l'organique. Et cela vient de plus en plus dans les discours, dans toutes les idées que nous organisions, que nous ayons des fertilisateurs beaucoup plus organiques.
que les matériaux compostés soient meilleurs. Dès l'instant que vous utilisez beaucoup de produits organiques et que vous ne les ramenez pas vers la terre, que vous ne les remettez pas dans la terre est impactée par ça. Elle n'est pas nourrie. Il faut donc mettre en place beaucoup d'adaptations et beaucoup de choses qui puissent permettre justement d'utiliser ces produits organiques de manière à les utiliser à bon escient et les faire retourner vers la terre. Par rapport au secteur de la gestion des déchets et des financiers au climat, nous avons des développements en termes de durabilité et des mécanismes qui s'y associent, notamment par rapport à des projets d'extraction, des projets de compost et de traitement organique et de recyclage du plastique, notamment par rapport au protocole de Kyoto. Et la gestion des déchets est un des plus actifs là-bas, à travers un ensemble de projets. Et plusieurs raisons. Certains de ces processus et ces mécanismes n'ont pas forcément été regardés du meilleur œil, avec la meilleure intention, sans être reconnus comme des mécanismes qui sont performants. Par contre, nous avons un certain nombre de choses qui sont ressorties du projet de Kyoto, d'où sont ressorties des options pour notamment le côté financier. Sous le nom NAMA, celui-ci, ce projet a connu du succès, notamment au Pérou, notamment par rapport au secteur privé, à la participation du secteur privé en Inde, avec le recyclage et la gestion de projet de production, en Chine, avec des endroits nommés NAMA, et au Mozambique, avec un focus sur l'EPR, de manière à ce que nous soyons sûrs d'inclure dans ce projet l'ensemble des options que nous avions et de la production que nous voulions faire. L'usine en Chine aussi, que nous pouvions vraiment voir se produire, et comme je l'ai dit auparavant, au Mozambique avec le focus sur l'EPR. Voici quelques images et quelques exemples de ce qui s'est produit, notamment au Mozambique, qui a connu beaucoup de succès par rapport à l'investissement que nous avons pu en faire. Par rapport à l'amélioration de la gestion des projets et du recyclage. Et la manière avec laquelle le projet NAMA s'est développé et est aujourd'hui géré. Nous avons un ensemble d'usines de retraitement des déchets de recyclage qui fonctionnent très bien, notamment en Chine. Ce projet a très bien fonctionné, qui a mis le focus sur tout ce qui a été de la gestion des déchets pendant que les fonds arrivaient justement dans ce projet. Et un des fonds les plus récents, le Green Climate, le climat vert. Jusque-là, il n'y a pas vraiment eu de projet jusqu'à présent qui a uniquement eu le focus sur la gestion des déchets. Il y a des banques qui sont notamment prises par ce développement et qui tentent de faire en sorte d'amener un changement lié à la gestion des déchets.
Il y a un ensemble de projets qui se développent de plus en plus, notamment des projets urbains. Et des éléments d'énergie et de production circulaire. Et notamment le programme flagship de l'Afrique du Sud. Il y a un ensemble d'instruments autres, économiques, que nous aimerions mentionner aussi. Les marchés du carbone. Ils sont dans les projets de la gestion de déchets. Mais les prix qui sont sur le marché du carbone sont moins attractifs que ceux du marché de la gestion des déchets, par rapport notamment à l'utilisation des terres et du terrain. Simplement parce que la gestion des déchets est vue comme quelque chose d'un peu sale. Les coûts de transaction sont assez élevés. La surveillance et la gestion de ces projets demandent de la rigueur, demandent des coûts, demandent des fonds. Nous avons un bond criteria qui s'est formé autour de la gestion du climat à travers la gestion des déchets depuis 2019. Il y a des taxes sur le carbone, des impôts sur le carbone en Afrique du Sud par rapport à la législation en place qui a été offset, qui a été prise à part dans le secteur privé. Et bien sûr, toutes les organisations internationales qui surveillent le climat, notamment au niveau des finances, et des objectifs qui se sont formés. 50% de certaines organisations depuis 2025 et 35% de la Banque mondiale depuis 2020 jusqu'à 2025. Il y a des opportunités qui émergent, notamment City Climate Finance, qui a débuté depuis 2020 et qui est un objectif de 100 millions de dollars. Avec un objectif de 4 millions de dollars. C'est une initiative de l'Allemagne, de la République fédérale de l'Allemagne et de consensus global au niveau des climats et de l'énergie. Et cela fait partie d'un réseau de banques qui se mettent ensemble pour atteindre ce chiffre. Un certain nombre de villes, celles qui le souhaitent, peuvent approcher ces banques-là pour tenter d'écrire ce fonds et de mettre en place ce City Climate Finance. Il y a d'autres opportunités aussi. Certaines de ces opportunités auxquelles je suis connecté directement moi-même. Un développement urbain au travers de l'Europe, et notamment par rapport à l'économie circulaire et la gestion des déchets, avec un objectif notamment sur l'Afrique. Et bien évidemment, autour de cette table, d'autres collègues parleront d'autres opportunités liées à ces mêmes initiatives. Voici un management, le flagship programme est un programme qui est en cours de traitement et qui doit être initié, qui doit être toujours soumis à acceptation. Et ça fait partie des 8 programmes qui sont dans un court terme, des programmes dont l'objectif est le climat.
Dans ce programme, vous allez pouvoir retrouver Open Window Composting, donc tout ce qui tourne autour du compostage et des opportunités qui sont ouvertes à ce niveau-là. Vessel Composting, donc tout ce qui est essentiel et nécessaire pour la gestion du compostage. La décentralisation des containers de compost. Donc il y a aujourd'hui 6 villes qui ont développé ce programme comme pilote. Voici un programme. Vous pouvez voir 3 composants, projet, initiation, l'équipe et un autre. Peut-être que ce qui vous intéressera le plus, c'est de voir un peu les annexes que nous vous proposons ici et la documentation qui tourne autour du proposé au niveau du fonds et de les finances de ce projet. Voici quelques images qui vous montrent le processus des différentes technologies que nous appliquons. Nous pouvons éventuellement aller plus en détail sur ces photos et tous les bénéfices et tous les défis que nous voyons liés au climat. Les émissions GHG, nous avons bien évidemment pris en considération le cycle de la vie de chaque élément et de chaque déchet. Short-lived climate pollutant tool, which is available from CCIC, our colleague Sandra. The climate benefit reaches. Tout ce qui est lié au bénéfice et au climat sont développés et mis en place pour tenter de réduire les émissions de CO2 notamment, de manière à ce que 803 000 personnes soient directement impactées par l'adaptation de ces bénéfices et 8 millions directement par le reste. Voici un diagramme qui montre la théorie du changement avec les objectifs, les résultats et l'économie et les finances, notamment sur les considérations générales. Nous avons présenté la base du projet par rapport à la gestion des déchets, à la collection des déchets. Un certain nombre de villes, de municipalités ont encore du mal à se figurer comment mettre en place ce programme. Voici donc des résultats économiques que nous avons pu générer à travers l'implémentation de ce programme. Donc le programme a un coût total de 28 879 448 dollars. Et nous avons toujours besoin de 20 millions. Et le coût par tonne était de 4 dollars USD. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire pour aujourd'hui. Merci pour votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation. Et aussi merci pour les informations très intéressantes du contexte historique sur la façon dont la gestion des déchets a été intégrée à l'action contre le changement climatique et des informations très utiles pour nous, les instruments économiques pour la gestion des déchets municipaux. Donc ça, c'était extrêmement informatif pour des gens dans notre position. Je vous remercie vivement. À présent, nous allons passer à la présentation suivante. Donc, Drazen est un leader dans le secteur de l'énergie, de l'efficacité énergétique à GCF, et également responsable
du portefeuille CF de plus de 30 projets à des étapes de développement différentes, en concertation et en implémentation. Il est aussi activement engagé dans le travail sur les pratiques structurelles et les interventions transformatives dans le domaine de l'efficacité énergétique. Donc, nous sommes ravis que vous ayez pris le temps de venir partager une présentation avec nous. Donc, ce que je vais faire, merci beaucoup. Can you see my screen? Yes, make it a full. Est-ce que vous voyez bien l'écran? Donc, merci beaucoup. Donc, je vais essayer d'apporter la perspective GCF sur les déchets et le changement climatique. Donc, prochaine diapo, s'il vous plaît. Voilà. Donc, pour vous rappeler, le GCF a été établi en 2010, le mécanisme financier de l'accord de Paris. Et notre mandat est de promouvoir un changement de paradigme vers des basses émissions et des chemins de développement résilients pour le climat en fournissant du soutien aux pays en voie de développement pour limiter ou réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et adapter aux impacts du changement climatique dans le cadre de la COP26. Nous avons cela informé notre pratique. Nous avons eu une proposition concrète de la part de l'Afrique du Sud. C'est la seule proposition concrète que nous avons vue en 6 ans que nous pensons intéressante. Donc, le rôle du GCF est surtout de réduire les risques et la concessionnalité. Donc, un besoin de concessionnalité, réduire les risques dans une transaction, ancrer le rôle des co-investisseurs dans la participation, encourager des changements de comportement dans les projets et les structures financières, apporter des garanties, des aides et des fonds. Donc, quand nous parlons d'aides et de fonds, ce chiffre à 65 millions de dollars de fonds. Donc, prochaine diapositive. Nous cherchons surtout une additionnalité du financement GCF. Nous ne pouvons pas être les seuls acteurs sur ces projets qui doivent avoir une grande rationalité en fonction du climat. Donc, l'impact climatique de l'investissement est une donnée clé. Il faut fournir de la preuve scientifique. Nous devons être alignés avec les NDC. Et il y a 6 critères d'investissement tels que le potentiel d'impact, le changement de paradigme, le développement durable. Et ainsi de suite, il y a aussi 8 zones de résultats, donc l'énergie, le transport, la construction, les écosystèmes, la compliance avec les politiques GCF, la complétude de la documentation. Nous avons plus de projets que nous parvenons à financer. Cette année, nous avons reçu plus de 45 demandes de projets en ce qui concerne le financement. Et nous avons potentiellement 1 milliard d'euros de disponibles pour ce financement. Donc, on prévoit une augmentation des activités. Donc, comment nous investissons avec une gamme d'instruments financiers, y compris l'equity, la dette, les garanties et les prêts directs. Cela peut se combiner dans une variété de structures basées sur le projet et des.
C'est aussi important dans le contexte de la proposition sud-africaine que nous avons reçue. Il faut voir comment s'amorce la coopération entre les gouvernements locaux et nationaux, la situation de financement municipal aussi, car presque 80% des municipalités sont en situation de banqueroute. C'est donc compliqué de donner des fonds dans ce contexte. Il faut donc isoler les municipalités et pouvoir apporter des fonds de façon saine. Alors, la gestion des déchets est un défi à la fois de comportement et environnemental. Il faut puiser sur toutes nos ressources, le gouvernement national, local, des filiales privées, des frais du contribuable et ainsi de suite. Il faut que les gouvernements comprennent ces enjeux et diviser les postes. Par exemple, il y a de nombreuses municipalités sud-africaines qui ne parviennent pas à payer pour la gestion de leurs déchets. Il y a une pression pour la décentralisation également, avec une concentration politique dans diverses zones. Il faut aussi examiner la fiscalité locale pour voir s'il y a la capacité de gestion de ces projets. Et également regarder l'infrastructure. Cela nécessite une bonne santé fiscale, une bonne gestion des territoires et des capacités institutionnelles pour la gestion financière. La récupération des coûts dans les municipalités est la clé pour créer un business model fonctionnel et de voir comment nous pouvons appliquer les instruments de financement de changement climatique. Prochaine diapositive. Nous parlons beaucoup des fameux 1,5 degrés ici. Donc, je crois que nous nous positionnons là-dessus. Dans ce scénario, le budget est seulement de 750 GT de dioxyde de carbone jusqu'à 2030. Mais il y a un grand risque d'un modèle disruptif de dépendance. Il y a une augmentation massive de population dans le monde. Je crois qu'en 2050, nous aurons une population de 2,5 milliards. Et cela impliquera un boom de l'industrie de la construction, ce qui contribue fortement aux émissions de CO2. Donc, il y a de la résistance gouvernementale à nos projets. Cela, donc prochaine diapositive. Donc, nous allons vers un scénario de 2,6 à 4,1 degrés. Mais nous ne pouvons atteindre nos objectifs sauf en utilisant des techniques pour retirer le dioxyde de carbone de l'atmosphère. Il faut que nous faisons face au fait que les émissions de gaz carbonique vont doubler d'ici 50 à 60 ans. Et toutes ces limites sont phénoménalement dangereuses.
À plus de 2,6, il y aura des crises alimentaires. Certaines parties du monde seront inhabitables. Il y aura une augmentation significative du niveau des océans. Je ne veux pas être trop pessimiste, mais j'espère que nous n'allons atteindre que le scénario de 2 degrés. Bien sûr, il n'est pas trop tard pour y arriver. Comment les déchets solides contribuent au changement climatique? Donc, les émissions viennent de l'enfouissement ou de décharges à ciel ouvert. Et il y a aussi la collecte inadéquate de déchets, des décharges non contrôlées et l'incinération. Donc, il y a aussi une corrélation entre le revenu et les émissions de gaz à effet de serre. Nous voyons, selon le pays, des pays à bas et à revenus faibles contribuent plus. Il y a une vraie corrélation entre les émissions du secteur de déchets. Il faut faire attention à ce point. Selon le IPCC, le méthane forme 90% des émissions de gaz à effet de serre provenant des déchets et donc c'est un gaz à effet de serre à un niveau global. Même si les niveaux de méthane dans l'environnement sont relativement bas, cela a un potentiel de réchauffement climatique, ce qui le classe parmi un des pires gaz à effet de serre. Donc, c'est une priorité pour tous ceux qui sont dans ce domaine. L'impact du changement climatique sur les déchets solides, surtout une augmentation dans de la température, des précipitations et des inondations. Il y aura donc plus d'insectes tels que les moustiques, les mouches et d'autres insectes qui portent des maladies. Plus de collecte des déchets à cause de problèmes d'odeur, d'altération des taux de décomposition avec plus de génération de méthane, une augmentation des inondations avec des routes inaccessibles et plus de temps de collection, une augmentation de l'échat produit, des décharges dans des zones côtières avec des inondations, l'inaccessibilité de certaines zones et l'endommagement des infrastructures. La réduction des gaz à effet de serre lors de la chaîne de gestion des déchets, donc l'extraction, la manufacture, donc lors de l'extraction des ressources naturelles, du transport vers les équipements de fabrication, les arbres pour le bois et le papier, l'utilisation pour l'énergie et le transport. Donc nous pouvons mitiger tous ces phénomènes. La collecte et le transport des déchets, donc les émissions de gaz à effet de serre pour la collection de déchets et le transport qui peuvent être mitigés par la réduction de déchets générés, l'optimisation du transport, l'utilisation de véhicules hybrides, de fuels alternatifs et varier les moyens de transport ainsi que le compostage, donc le recyclage, les émissions. Donc pour la collecte, la transport et les activités de recyclage, nous pouvons utiliser moins d'énergie et extraire des matériaux vierges. D'un point de vue de récupération, les émissions de gaz à effet de serre, l'utilisation de l'énergie non renouvelable pour le transport et les émissions de gaz à effet de serre du compostage, ce qui peuvent être mitigés pour éviter la génération de méthane, faire plus de compostage, réduire l'eau utilisée dans le processus et utiliser la digestion anaérobique et pleinement exploiter ces ressources. Finally,
Donc, l'enfouissement et les déchets organiques, les émissions de gaz à effet de serre, donc la décomposition anaérobique, la collecte, le transport, le traitement des leucates et la création de sites d'enfouissement de déchets qui peuvent être mitigés en interdisant les déchets organiques dans certains sites, de réduire le flux des déchets organiques vers. Donc, pour résumer, la plus grande réduction de gaz à effet de serre est venue du secteur des déchets solides pendant 15 ans, mais les décharges à ciel ouvert restent une pratique commune et cette forme de gestion de déchets crée une augmentation des émissions de méthane. Donc, en appendice, un cas d'étude. Donc, si vous pouvez reculer, voici un cas d'étude. C'est un matériel de lecture auquel vous pouvez vous référer. Donc, c'est un site à Delhi, en Inde, qui vous montre comment on fournit la gestion de déchets et que celle-ci est gérée de façon à minimiser l'impact sur l'environnement grâce à des meilleures pratiques en termes de gestion des déchets. Voici la fin de ma présentation. Je vous remercie. Thank you very much. Merci beaucoup. Thank you very much, Drazen. Merci, Drazen. Donc, je crois que cette opportunité pourrait être excellente. La récupération des coûts est un défi pour de nombreuses villes. Donc, je crois que pour les autorités locales, c'est important. Également, que l'information pour chaque catégorie de gestion des déchets est importante pour nous. Cela nous donne des pistes intéressantes pour mettre nos projets en pratique. Nous vous remercions. Donc, ensuite, j'aimerais inviter notre dernier intervenant. La prochaine intervenante, Jiao Tang. Jiao est une environnementaliste, notamment dans les cas des projets qui tiennent au climat et les problèmes générés par les changements climatiques. Elle a travaillé avec un certain nombre d'associations et d'organisations influentes et avec des ONG locales. Elle a une expérience assez vaste dans tout ce qui se tourne vers le technique et les opérations. Yes, I can hear you. Okay, great. First of all, thank you. Merci beaucoup pour démarrer, pour l'introduction. Myself and thanks to UN Habitat for the invitation. Merci à UN Habitat pour l'invitation et que je puisse m'exprimer ici aujourd'hui. Et notamment particulièrement sur la gestion des déchets. Et je suis ici aujourd'hui. So I'm here today to, I mean, in my presentation, I will talk about. Dans ma présentation, j'aimerais parler de l'organisation, de l'organisation autour de. Du financement des initiatives sous-nationales liées au climat. Green Climate Fund started operating since April last year.
Et ce fonds a commencé à se mettre en place depuis avril l'année dernière, et notamment par rapport aux infrastructures mises en place pour le climat. Nous avons démarré en 2020 et il y a une certaine appartenance que nous avons à ça et pertinence. Notamment par rapport à la mitigation du changement climatique. Et l'objectif de ce projet est la construction d'infrastructures pour la gestion climatique. Notre goal a toujours été de connecter le public avec ce secteur-là. Et nous avons bien évidemment développé cet objectif et évolué sur ça. Avons développé davantage d'expérience. 90% de notre travail est sur la soumission de fonds et de finances sur le changement climatique et sur l'expérience des projets sur le terrain. Ah, voici un certain nombre de projets réalisés par rapport à la gestion des déchets en Algérie, au Mali, à Quita, au Brésil aussi, Mato Grosso et Fidji, par rapport à la production d'énergie solaire et sa distribution. Nous travaillons avec des organismes locaux de manière à sécuriser les fonds pour faire en sorte de mettre en place ces projets. Voici donc des projets qui ont été réalisés à travers le projet mis en place depuis 2020 et nous essayons de faire en sorte de l'amener à une échelle plus importante. Et comme l'ont mentionné les présentateurs qui sont passés avant moi, nous avons atteint le moment des institutions qui réfléchissent de la même manière, secteur privé comme secteur public, pour atteindre ensemble les objectifs que nous nous sommes fixés. Ce que nous avons réalisé, c'est que la distance entre ces deux secteurs est le côté finance. Et une distance qui va de 5 millions à 75 millions de dollars en termes d'infrastructure, en termes de financement. Nous voyons bien que l'investissement et que la différence d'investissement est assez importante en fonction du secteur, notamment par rapport aux gouvernements locaux versus les grosses organisations. Et notamment par rapport à l'accès aux objectifs que nous sommes fixés et l'atteinte de ces objectifs. Voici un écosystème que nous vous montrons ici, que nous tentons d'intégrer dans l'ensemble des investissements que nous faisons et former d'une façon que nous amenions notre expertise technique de manière à dérisquer, à enlever toute forme de risque du projet et aider à préparer pour que ce système et ce projet soient efficaces. Nous avons notamment un investissement lié au climat. Nous avons commencé par investir entre des équités concessionnelles et équités commerciales. Avec ces deux éléments-là qui ont été faits et créés pour blinder justement l'investissement au niveau financier dans cet écosystème.
et tous les impacts que nous avons aujourd'hui doivent être certifiés par des standards internationaux qui sont connus de tous, de manière à s'assurer que l'impact que nous avons, que cet impact soit certifié et qu'il soit clair pour tout le monde. Voici à peu près l'impact et les portfolios que nous avons réussi à faire jusqu'à présent. Nous avons 4 objectifs principaux. Les solutions énergétiques durables, la gestion de l'eau et des déchets, les solutions de développement urbain et l'agriculture durable. Vous avez sur la droite tous les impacts certifiés que nous avons eus, 82 millions de tonnes de CO2 en termes d'émissions que nous avons réussi à récupérer, 1,8 giga d'énergie renouvelable, 20 000 emplois créés, 17 millions de résidents qui ont amélioré leur manière et leurs conditions de vivre. Nous avons des solutions qui sont complètement basées et mises en place pour la nature. Nous avons des objectifs impactants, notamment par rapport à la mitigation des émissions de CO2, la création d'emplois, et notamment aussi par rapport aux conditions de vivre, les conditions des foyers et de la manière dont ces foyers vivent. Et nous avons réussi à en faire 17 millions comme ça. Nous faisons partie de ce consortium d'organisations, notamment au niveau technique. Nous travaillons de manière très rapprochée avec beaucoup d'organisations, notamment par rapport aux fonds financiers, et notamment uniquement des organisations créditées. Nous travaillons avec ces organisations pour faire en sorte d'être les plus efficaces possibles, mais notamment avec R20 pour la gestion et le développement des projets et des infrastructures sous-nationales. Créer des études pour voir quel est l'impact social et environnemental des projets que nous mettons en place. Et comme je l'ai déjà mentionné auparavant, nous avons simplement commencé, notamment au niveau des infrastructures, l'année dernière. L'IUCN surveille et contrôle l'ensemble de ces projets, notamment sur la capacité de construction de ces infrastructures et le développement de nouvelles méthodologies qui permettraient d'améliorer les conditions et les infrastructures que nous mettons en place. Nous essayons d'être certifiés par le Gold Standard. Et pour finir, en termes de fonds, de finances et des opportunités d'investissement, nous avons des contributions du GCF de 18,5 millions de dollars. Au niveau des finances, nous avons, comme je l'ai dit auparavant, 2 types d'équité, concessionnelle et commerciale. Et nous tentons de lever de nouveau 600 millions de dollars pour la continuité des programmes. Voici un mécanisme par rapport aux standards que nous tentons de certifier. Je ne vais pas aller en détail sur ce diagramme, mais tout ce diagramme vous montre à peu près la manière dont les décisions sont prises et la performance et les standards que nous tentons d'acquérir pour le portfolio. Chaque investissement que nous faisons, que nous avons, a des standards aussi, des régulations.
qui doivent être reportées as well et rapportées et qui doivent être vérifiées. Voici un ensemble de pays bénéficiaires de ce mouvement, de ce projet. Nos finances venant de GCF. Et en quelques temps uniquement, une année, nous avons réussi à sécuriser un certain nombre de finances et nous avons réussi à mettre en place un ensemble d'infrastructures dans tous ces pays-là, ce qui est vraiment une réussite. Ceci n'est pas une liste exhaustive des critères de sélection. Cependant, nous avons un projet d'une gamme qui va de 5 à 75 millions de dollars. Nous avons besoin d'avoir des infrastructures qui sont adaptées au climat et pour les besoins locaux. Nous sommes en collaboration avec le ministère NDA. Nous tentons de faire appel à des technologies qui sont déjà établies, qui sont déjà réplicables et qui sont précises et efficaces. Nous n'apportons pas de finances, mais nous apportons une assistance technique et une gestion de projet, un développement de projet. Pour certains projets qui iraient de l'avant éventuellement avec les infrastructures qui doivent apparaître ensuite. Nous mesurons et certifions tout ce qui tient à ces infrastructures et le retour sur investissement. Et notamment dans le secteur de la gestion des déchets, notamment sur les infrastructures qui gèrent ce retraitement des déchets, de manière à avoir des infrastructures qui soient moins coûteuses et plus efficaces. Pour chaque projet, nous devons voir la faisabilité du projet et des finances que cela requiert, des critères que nous avons ici mise en place. Vous pourrez bien évidemment retrouver toute cette documentation sur le site web que vous voyez ici, que ce soit sur la gestion du projet, sur le processus du projet, tout est listé là-bas, et notamment la liste des pays qui sont aujourd'hui dans ce projet, dans ce programme. Et je serai bien évidemment enchanté de répondre à quelconque question. Merci à vous. Merci, Jiao. Merci pour cette présentation très exhaustive. Nous avons mis en place une enquête de satisfaction sur un ensemble de pays et sur beaucoup d'infrastructures, et notamment sur la différence des politiques et des régulations qui sont mises en place. Notamment par rapport au portfolio aussi. Nous allons maintenant passer au prochain intervenant. Et je crois que malheureusement, nous sommes très en retard en termes de timing. Sandra, hi.
Can you also? Yes, perfect. Thank you very much. Merci d'avoir mis vos caméras. J'aimerais vous poser certaines des questions qui ont été posées ici par rapport à la gestion des projets. Comment les villes africaines peuvent-elles accéder aux finances liées au climat dans leur ville? Reka, peut-être que vous sauriez répondre à cette question. Alors, je suis la seule personne ici qui ne soit pas du domaine financier et voilà, je suis uniquement consultante. Je peux peut-être dire quelques deux, trois éléments par rapport à ça, notamment par rapport aux différences entre le financement entre les villes. Nous avons tenté de mettre en place et de gérer le cadre de mission et la manière dont les choses sont faites. Steinerberger is maybe on the line, but in any case, this fund is currently looking at options to develop. Nous avons notamment un fonds qui est en cours de développement, qui a besoin de plus de visibilité, qui a besoin de plus de données et d'assistance pour être mis en place et financer ce type de projet, notamment par rapport à la Banque mondiale. Et le fonds qui est lié notamment au climat et aux villes est un fonds qui peut éventuellement être vérifié par tout le monde. Jiao, je crois que vous avez de l'expertise sur cette question-là. Est-ce que vous avez quelque chose particulièrement... Already kind of exposing quite a lot of financing opportunities and nous avons déjà montré aujourd'hui un ensemble d'éléments qui peuvent répondre à cette question. Le SCF est un des mécanismes qui soutient ce même processus et plusieurs autres organisations et projets. À un niveau local, avant de travailler pour R20, j'ai travaillé pour un ensemble d'organisations et suivant mon expérience, en fonction du projet auquel nous avons affaire, il y a souvent malheureusement beaucoup d'informations manquantes sur les finances qui sont requises et nécessaires et sur la capacité. Ça, c'est quelque chose qui est du domaine commun. Quand on parle de l'investissement financier, c'est toujours quelque chose d'assez délicat. Nous essayons d'accéder à des projets qui promettent un retour sur investissement. Par rapport à l'Afrique, nous avons des projets qui viennent des municipalités, soit elles sont complètement irréalistiques. Ces projets sont complètement irréalistiques. Il y a un manque de capacité, de compréhension de ce que nous pouvons faire par rapport à ces finances et de manière à les allouer. Les projets doivent être mieux développés. Par exemple, en Amérique latine, nous avons aussi beaucoup de personnes et de communautés qui veulent développer certains projets. Nous tentons de nous adresser au secteur de manière générale, mais aussi d'aller davantage en profondeur sur les différents projets qui nous sont présentés. Ce n'est pas forcément lié aux gouvernements locaux, mais peut-être aux organisations locales. Et tout est une question de qui s'investit dans ces projets-là. Il y a beaucoup de choses à dire. Je pourrais passer du temps à parler, mais tout dépend de l'activité locale et des différentes organisations qui souhaitent s'inclure dans ces projets. Peut-être que mes collègues ont d'autres choses à ajouter. Merci.
Donc, avez-vous d'autres commentaires à ce sujet? Oui, bien sûr. Je pense que Thio, tu as parlé d'un sujet à controverse, car tu fais le lien entre la gestion des déchets et le financement, la finance climatique. Il faut donc mobiliser autant de citoyens que possible pour des vraies études de faisabilité pour s'attaquer à ces problèmes. Il faut une distinction claire entre les problèmes de développement et les problèmes liés au changement climatique et l'impact sur le climat de la gestion des déchets dans les villes africaines. Nous accomplissons. Il faut faire beaucoup d'études techniques ainsi que des études de faisabilité pour avoir accès à des fonds de développement pour les enjeux climatiques. Merci beaucoup, Sandra. Je suis d'accord avec ce qui a été dit, ce que Jao a mentionné. C'est-à-dire que beaucoup de gens ne sont pas prêts à investir si les municipalités ne peuvent pas recouvrir une partie des coûts pour bien gérer les déchets. Et nous œuvrons afin d'essayer de faire bouger les municipalités pour qu'elles se rendent compte qu'il faut demander de l'argent pour ces services. Et je sais qu'en Afrique, c'est compliqué à cause des restrictions de revenus, mais il faut trouver une solution. Et aussi, il faut examiner ce que nous pouvons, les personnes à qui nous pouvons nous attaquer qui ne payent pas, par exemple dans le commerce, et des options comme le compostage des déchets organiques des producteurs les plus grands qui proviennent des hôtels, des restaurants et de les inclure dans la chaîne commerciale. Il faut des projets bankable, il faut plus d'apports de la part du secteur privé, plus d'initiatives de leur part. Et d'un autre côté, nous encourageons le secteur privé à agir, mais le secteur privé, psychologiquement, ne va pas s'impliquer s'il n'y a pas une certaine récupération des coûts. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Et il nous faut un point de départ et voir ce que l'on peut faire. Je suis d'accord, il y a besoin d'études de faisabilité, mais s'il n'y a pas de récupération de coûts, ces projets seront déterminés comme n'étant pas viables. Une autre chose que nous regardons, ce sont des projets basés sur les communautés qui commencent dans de nombreux endroits. Il faut organiser, consolider ces projets, car les citoyens dans les villes doivent aussi comprendre qu'il faut payer pour ces services qui ne sont pas gratuits, que les déchets ne vont pas juste disparaître du jour au lendemain. On ne peut pas envoyer des déchets sur la Lune ou je ne sais quoi. Il faut être réaliste. Et je crois que de nombreuses personnes, une fois qu'ils ont compris que cela vient à un coût et une fois qu'ils savent où vont les déchets, je pense qu'il y aura une plus grande volonté et capacité à participer. Tout ce qui peut être récupéré, je pense, est s'inscrit dans cette logique. Merci beaucoup. J'aimerais juste rajouter brièvement que dans le secteur des déchets, il faut avoir une approche à base de système. C'est fondamental. Et cela rend les choses difficiles lorsqu'il s'agit de définir des projets qui sont liés sur les avantages climatiques. C'est encourageant de voir que des opportunités émergentes sont là et qui se focalisent sur l'économie circulaire. C'est ce que moi je constate du moins. Et being implemented. Concernant les projets en cours en ce moment. Merci beaucoup. Voilà, c'est tout ce que je voulais ajouter. Merci beaucoup. Désolée, nous manquons tellement de temps, mais j'ai une autre question en lien avec votre commentaire, mais j'aimerais préalablement poser une autre question.
quelles sont les informations essentielles pour les parties prenantes afin qu'elles s'impliquent et quels genres de projets sont plus attractifs pour les financeurs? Oui, j'ai une réponse rapide à cette question. Une bonne approche est de regarder les marchés émergents qui sont en croissance. C'est nouveau pour nous de créer des efforts de veille et d'analyse de marché. Important pour nous d'obtenir des produits qui proviennent de la récupération de déchets qui peuvent être utilisés pour des objectifs particuliers. Et je crois qu'une des grandes, une partie prenante majeure sont les acteurs de ces marchés et nous ne pensons pas toujours à les inclure dans le processus. Merci beaucoup. Donc, en termes d'attractivité, Diao, s'il vous plaît. Pour nous, c'est simple. Nous regardons le projet et les retours. Donc, premièrement, les équivalents en CO2, ce que le projet peut mitiger, le plus haut, le mieux, évidemment. Et si nous, par exemple, n'utilisons plus un certain site, c'est facile à calculer. Et donc, la récupération des déchets et leur transformation, il faut des études de marché, de la production, de ses potentialités. Donc, il faut regarder ça aussi. Il faut également, donc, en dehors des incentives en termes de réglementation, il faut également voir s'il y a des régulations du marché concernant la production, par exemple le compost. Est-ce qu'il y a un arsenal de règles et de règlements matures? Et quelles sont les exigences concernant la qualité de cette production ou du projet? Et cela détermine le coût également des opérations. Donc, tout cela est très interdépendant, par exemple. Il y a différentes sortes de RDF. Et nous avons des exigences très différentes en termes de valeur calorifique, composition, la quantité de papier, de plastique contenu, à titre d'exemple. Et j'aimerais aussi dire que la partie la plus difficile, lorsqu'on s'intéresse au marché émergent, lorsqu'il n'y a pas de frais de participation, le projet ne peut pas marcher. Et cela va au-delà des technologies, des solutions, cela s'applique au niveau des politiques, de la législation, le sorte de stratégie qu'une ville ou un pays peut avoir pour augmenter son budget de gestion des déchets. Il a été dit comment créer des incentives, comment encourager les producteurs à payer. Donc, et parfois, il faut augmenter des taux préexistants. Ça, c'est, donc ça va bien au-delà des enjeux locaux et la pratique des gestions des déchets. Merci beaucoup. Donc, vos commentaires sont très informatifs et nous donnent des informations, surtout sur les frais de collecte, ce qui donne lieu à un débat assez complet. Dražen, auriez-vous quelque chose à ajouter à ce sujet? Pour ce qui est de l'attractivité des différents financements du projet. Je crois toujours qu'il y a un besoin de réformes fortes dans tous les pays, surtout tous les pays d'Afrique, et ce n'est pas si difficile de faire le diagnostic de ce qui pose problème dans la majorité des systèmes de gestion des déchets en Afrique. Sur la base d'analyse de données, et nous pouvons
appliquer cela pour des réformes qui vont institutionnaliser et équilibrer les problématiques principales pour les parties prenantes et les services dans le secteur des déchets municipaux. Une fois que ces réformes ont été appliquées, nous pouvons regarder les éléments spécifiques de la stratégie de gestion des déchets, comment faire en sorte qu'elle soit plus efficace, qu'elle coûte moins cher, recycler les déchets, l'économie circulaire et ainsi de suite. Donc, tous les projets aujourd'hui qui sont modernes devraient regarder cela sous l'angle du développement et du climat. C'est une première démarche. Et il faut mobiliser l'assistance technique pertinente et les études de faisabilité et l'assistance avec les problèmes légaux éventuels pour vous aider à établir du règlement et une structure afin de pousser ces réformes pour la réduction du méthane. Merci beaucoup. Sandra, moi j'allais dire qu'on a parlé du cadre réglementaire et de notre point de vue, nous voyons que de nombreux pays africains et dans le monde entier ont des objectifs ambitieux et ont pris ces engagements. Il faut commencer à faire des efforts de lobbying auprès des gouvernements pour dire qu'il faut modifier la loi afin de faire pousser ces réformes. Parce que si on veut parvenir à ces objectifs, il faut fournir de l'empowerment pour que les gens puissent y parvenir. Et les politiques doivent être customisées pour se permettre. On vient de l'angle de l'économie circulaire. Le produit final mobilise tous les éléments en amont. Et c'est une façon d'optimiser et de valoriser le système des déchets. C'est très important. Dans la présentation, il faut vraiment aussi réduire la quantité de déchets générés, trouver des solutions. Il faut vraiment réduire la quantité de déchets, faire en sorte qu'elle n'arrive pas aux décharges, voir ce que l'on peut faire dans ce sens. Je dirais que les villes doivent nous parler plus et mon organisation veut travailler là-dessus, car tous les niveaux de gouvernement ont besoin des uns des autres et moi je rajouterais que commencer à regarder à ces solutions. Il faut libérer, par exemple, le cadre réglementaire. Le compost ne peut pas être utilisé dans tous les cas, par exemple. Et cette utilisation n'est pas aussi bien connue qu'elle devrait l'être. Et il y a plein d'occasions d'utilisation qui ne sont pas mobilisées, surtout en Afrique, où la terre est pauvre en qualité et cela pourrait aider à régler ces problèmes. Et un des bénéfices de l'économie circulaire est son impact sur l'agriculture, la bonne qualité de compost, d'engrais. Et donc cela augmente l'accès à l'agriculture locale. Merci beaucoup pour ces commentaires. Je crois que nous avons des questions supplémentaires, mais malheureusement, nous n'avons plus le temps. Donc, je me vois dans l'obligation de mettre fin à cette session. Désolée pour vous, mais je crois que ce webinaire peut donner lieu à un débat très florissant. Merci pour cette session très professionnelle et pour nous avoir rejoints en tant qu'intervenants et participants, quelle que soit l'heure de la journée pour vous. J'apprécie
les efforts que vous avez faits, ainsi que nos auditeurs qui nous ont rejoints aujourd'hui. Donc, le dernier webinaire de cette série, le cinquième, concernera la pollution plastique. Et nous sommes prêts, nous allons bientôt vous distribuer des informations à ce sujet. Merci beaucoup d'avoir participé à toutes ces sessions. Je l'apprécie vivement. Et merci beaucoup. Thank you. Au revoir. Bye bye. Bye. Thank you. Bye bye.